La particularité de ce village, c'est que ce sont des professionnels, des médecins notamment du CHU, qui vont vers la population. Et c'est là l'intérêt pour les gens de tous âges, les jeunes, les moins jeunes, de venir, parce qu'ils ont la possibilité de rencontrer ces professionnels, de poser des questions et qu'on leur réponde. Généralement, le CHU ou l'hôpital en particulier, les gens y vont quand ils sont malades. Donc, c'est déjà trop tard. Donc là, les professionnels vont en prévention et surtout, même quand on est malade, les conseils de ces professionnels évitent les complications. L'autre particularité de ce rendez-vous santé en famille, c'est vraiment qu'on puisse avoir toutes les maladies les plus fréquentes, les maladies chroniques les plus fréquentes en Guadeloupe. Donc, on va parler de diabète, on va parler d'obésité, on va parler d'hypertension artérielle, d'insuffisance cardiaque. On va parler de maladie d'Alzheimer, on va parler du bien vieillir, on va parler de thématiques qui intéressent vraiment tout un chacun. Et on sera vraiment dans de la prévention. Donc les rendez-vous ne sont pas que pour les personnes malades. Elles sont aussi pour les personnes en bonne santé et qui ne veulent pas justement avoir ces pathologies et qui veulent rester en bonne santé.